Salut à tous et soyez bienvenus sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle série. Nous allons nous attaquer à The Last of Us. The Last of Us version PS4, la version remasterisée bien sûr. Nous sommes sur un jeu que je ne connais pas du tout. Nous allons tout découvrir de A à Z. Je sais juste que c'est un jeu post-apocalyptique. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. On s'attaque à la vidéo d'introduction. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, non, t'es pas la fille. Je pense que c'est les deux personnages principaux, je sais pas. Principaux, surtout. Je pense que c'est ça, elle, ça doit être la petite fille qui va grandir. Là, on va suivre dans le jeu. Bonne nuit, Trésor. Ok, ça commence avec une belle petite histoire. Alors, c'est quand que ça va partir en cacahuète? Je parle à ton papa. C'est parti en cacahuète. Il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Ouais, c'est parti. Allô? Ça me fait penser un peu à The Walking Dead, le jeu sur mobile, je sais pas si vous voyez. Je suis sûr que c'est le même genre. Donc déjà là, on va contrôler la petite fille, quoi. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Je sais juste que c'est le bordel. On peut prendre le téléphone. Ok, ça marche pas. Il marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai vu, il y avait. C'est pas elle qui avait. Il y a une batte de baseball, je peux pas la prendre. De toute façon, elle sait pas ce qui se passe. Donc. On va explorer un peu par ici. Ah, là, il y a un truc, c'est quoi? Oh mince! J'ai oublié de lui donner ça. Oh la carte! Tant pis, c'est trop tard. Et que j'écoute, tu méprises carrément les films que je regardais. Pourtant, bizarrement, tu arrives chaque année à être le meilleur de mes pères. Comme tu fais. Bon anniversaire, Poponé. Bisous. Ah, c'est mignon. Allez, c'est la catastrophe, là, je pense. Il est où son père? Il doit être dans sa chambre. Papa? J'espère qu'il n'est pas mort. C'est ça, sa chambre? Non. Ouais, je vais pas tout fouiller aussi. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un journal dans la salle de bain? Explosant. Des admissions dans les... Nanana. La liste des récoltes... ok. Ah, donc il y a beaucoup de gens qui sont malades. J'entends du bruit, je sais pas si c'est la télé. Papa! Tu veux pas courir? Ah oui, son père, il est là. Il regarde la télé. Tu es là? Les meutes sont en fait liées à la pandémie qui Qu'est-ce frappe que tout t'es le pays. passé? D'après nos sources, les patients souffrant de Il est parti l'infection en montrent courant. des signes croissants d'agressivité et... Ah voilà, une infection. Il se passe quelque chose derrière nous. Ça va exploser. Waouh. C'était quoi? Waouh. D'accord, donc c'est... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, Papa? si je me trompe pas, c'est une infection due à un champignon
qui existent vraiment dans notre vie en fait, sauf que ça ne nous touche pas nous, ça touche des insectes, je crois. Et Qu'est-ce qui se passe? en vrai, là, ça s'est attaqué à l'humain. Ah, ça rigole pas. Hein. Et il est où son père? Moi, je fais quoi, moi? Le chien, il est en train d'aboyer. Ça Son sonne. téléphone. Il t'appelle en absence. Tommy. Et où est-ce que t'es? Rappelle-moi. Ouais. Rappelle-moi. J'arrive bientôt. C'est qui Tommy? Ça choque personne qu'il ait un téléphone bizarre comme ça? Ok. Le chien, tu peux arrêter, tu me fais flipper. Oh merde. Oh là là, t'as cru vraiment j'allais sortir? Oh, il est fou lui. Allez, on va vers là. Ouais. Ah! Oh, il m'a fait flipper! Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un est venu? Non? Non, quelqu'un devait passer? N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Il se passe quoi là? Tu commences à me faire peur. Il prend une arme. Moi, je veux aussi une arme. C'est le Cooper. Il y Le a un Cooper? truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie. Excusez-moi. Oh là là! Il est où? Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là! C'est Jimmy? Jimmy Cooper? Calme-toi, Jimmy, calme-toi! Jimmy, je te préviens! Oh, bon Allez. sang! Allez. Bon sang de bonsoir! Bah, du coup, les gens, ils se transforment en zombies? Ou en. Bêtes féroces? C'est bizarre! Écoute-moi, la situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Il y a 5 minutes, elle était dans son lit, 2 minutes après, paf! Allez, Son père, il tue quelqu'un. allez. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tirons-nous des sangs. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller? L2. On va dire ce qui s'est passé. Plus tard. Mais lui, il est quoi? Il travaille dans quoi? Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Ouais. Merci. Tout le monde se bat. Portable. Pas de radio. Radio. Allez, tout se passe bien. Il y a 1 minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller. Tout le monde part. C'est beau comme jeu, je suis choqué. Sur la nationale. Regardez, je peux regarder tout autour. La petite fille, elle se balade derrière. On l'a 60-61. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Arrête, c'est une petite fille aussi, calme-toi. Je sais pas ce qui se passe. Oh, il y a un accident ici. Mon Dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Oh, c'est Mais c'est pas seulement ici. très très chelou. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Mais si ça arrive, ça, c'est un truc de malade. Imagine la population. Merde. Ça a pris feu. Oui. Louis? J'espère que cette enfoirée s'en est tirée. Waouh. Je m'en fais pas. Du coup, on est un peu à la campagne en fait. Non, bien sûr que non. On va où là? À l'hôpital? Il disait que Ou à Stindel? À l'hôpital. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Ah, genre, ça a contaminé la ville, c'est venu vers ceux de la campagne. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Mais n'importe Ils ont un quoi. gosse, Joël. Avance. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Tant pis. Quelqu'un d'autre Dans ces moments-là, faut penser à soi. Hein. Le gars, il a dit. Hein. Ils ont un enfant. Ah, c'est l'hôpital ici. Il y a des hélicoptères. Waouh, bah ouais, ça c'est le problème. Je suis sûr que ce serait le problème numéro 1. Tout le monde va vouloir se barrer en voiture. Sauf qu'il va avoir créé des bouchons de fou. Oh merde. Ah, c'est les gens de l'hôpital. C'est devenu des. Je sais pas si c'est devenu des zombies. Hein. Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici. Non, 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 non. Waouh, les gens deviennent fous dans ce moment-là.
peut pas rester ici, Tommy. Mais je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, accroche-toi. Allez, là. La vache. Oh. Ça commence intensif. Réveille-toi. Hey, tu vas pas me laisser en galère. Wouah. Recule, ma puce. Recule. Ah, c'est mal. Coup de pied. Là, c'est vraiment des morts vivants en fait. Alors je sais pas si c'est vraiment des morts vivants vraiment ou ils ont la rage. Je suis là, donne-moi la main. Je dirais un film, j'adore ce genre de jeu. Mal comment ? On va devoir courir. Elle a pas de jambes. Allez, ma puce. Ah, c'est moi qui le contrôle maintenant. On va vers où? J'ai même pas peur où courir, moi. Oh la vache. Allez. Tu veux pas courir plus vite, toi? Incroyable. Wow. Je suis choqué. Allez. En fait, j'y m'y crois trop, c'est un truc de ouf. Parce que je me dis, ça peut vraiment. Enfin, si un jour ça arrive, un truc de ce genre, je suis sûr que c'est la même réaction. Les jeux auront la même réaction. Par là-bas. Contourne. Il est super bien fait pour l'instant, le jeu. Je sais qu'il date, hein. Il y a le 2 aussi. Mais à mon avis, si je fais celui-là, je vais faire le 2. Et la police là, il y a 2 défenseurs. On va se calmer. Par là. Oh, c'est fermé. Ouf. Allez. Mais il court à 2 à l'heure, tu veux que je fasse quoi? Ah putain. Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Wow. Enfin, ça, à mon avis, ils sont déjà morts. Ils ont eu de la rage. Oh la vache. Avance. Il trouve une issue. Allez. Il y a des gens derrière. Oh là, ouvre la porte, tout là, va pour nous, la porte. Eh, vous savez quoi? Ce mec avec moi là, je sens il va mourir. C'est toujours comme ça, il y a toujours le mec gentil, il se fait tuer. Ah, je continue? Je pensais d'aller rester là. Tu sais, le mec qui est en train de se taper un sandwich là. On y est presque. Putain, ça partait bien au départ. Je le sens pas cette ambiance. Y'a quelqu'un qui court derrière, non? J'ai même pas envie de regarder. Ah! Cours plus vite! Je sais pas courir plus vite! C'est qui? Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hey! C'est un militaire. On a besoin d'aide! Stop! S'il vous plaît! C'est ma fille! Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai 2 civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est Oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Oncle Tommy, okay. Oncle Tommy. Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Mais il se fout de ma gueule! Je vous en prie. Bien fait. Oh non. Oh non, elle a été touchée. Sarah. Non, arrête. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non, ils ont pas le droit dès le début du jeu. Ça va, chérie, reste avec moi. Je suis choqué. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Oh là. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Non, elle va mourir.
chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Oh non. Non. Mais c'est quoi? Dès le début, on te met KO comme ça dans ce jeu? Mais non. Je pensais que c'était elle, la fille du jeu, quoi. Oh non. Wouah. Non, sérieux. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Je suis choqué. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination. Je sais pas vous, mais moi ça m'a mis KO là. Le pouvoir franchement plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Du coup, on a vu, il y a une société qui s'est créée autour de ça, dans un groupe qui s'appelle les Lucioles. Ok, on va mettre pause. Franchement, là, on est à peu près à 16 minutes de vidéo. J'ai été choqué. Vraiment, là, je sais pas quoi dire. Donc, j'espère que ça vous a plu. On va se laisser là. On se retrouvera d'ici quelques jours pour la suite de notre aventure. Moi, sans hésiter, je vais continuer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à activer la cloche, bien sûr, parce que c'est important. Et surtout à commenter vos envies, ce que vous pensez de ce début et de mes gameplays. On se retrouve d'ici quelques jours.